Pour un peu, on pourrait se croire à Dakar ou Abidjan. Et pourtant, nous sommes en plein cœur de la Chine, à Canton. Pour les habitants, c'est un choc. Pendant des millénaires, ils n'avaient jamais vu un Africain de près. Ils conservent à l'égard des gens à la peau noire des préjugés ancestraux. Ils ont d'ailleurs baptisé le quartier Black de Canton Chocolate City, la ville chocolat. Pour l'instant, au-delà des sourires de façade, la cohabitation ne se passe pas très bien. Dans ce salon de coiffure africain tenu par Arnaud, un jeune béninois, les clients racontent les comportements choquants qu'ils subissent parfois. Ils sont racistes. Les Chinois, s'ils voient un noir, ils ferment le nez, des trucs comme ça. Pourquoi ils se bouchent le nez? Rien seulement, racisme. On sent, tu vois, même si tu peux acheter ton parfum à 400 euros, tu passes à côté de pour toi, tu ne t'es pas lavé. Hein. C'est comme ça, ils sont. On n'a pas le choix.